L'intérêt du simulateur, c'est essentiel en fait dans ce type de formation. On a mis en place, et on est les seuls sur le marché, à avoir intégré au sein d'une formation SOC analyste le travail sur simulateur à de nombreuses reprises lors de masterclass pendant 3-4 heures à chaque fois. Les apprenants travaillent au plus près du réel, comme avec une cyberattaque qui se propage sur le simulateur. Et dans cette situation, nos instructeurs les entraînent à faire leurs actions d'identification, d'investigation, de remédiation et de confinement, comme s'ils étaient dans la réalité au sein d'un SOC. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que elle a été conçue par nos ingénieurs qui sont des analystes SOC. Donc la conception a été faite par des gens qui connaissent très très bien le métier, qui le font au quotidien. Deuxième avantage, c'est cette méthodologie de blended learning. Donc les apprenants sont capables d'adapter leur rythme pour 80% de l'activité et ils sont ensuite coachés pour 20% de leur activité par des experts. Et puis le troisième avantage, et là encore une fois c'est le caractère unique de cette formation, c'est qu'ils vont travailler sur des situations au plus près du réel grâce aux sessions de travaux pratiques sur simulateurs d'attaque qu'on leur propose et sur lesquelles on les entraîne intensivement.